Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Elevator Action sur NES, entre guillemets Nintendo. Un jeu de plateforme assez sympa, mais un petit peu, comment dire, un petit peu hasardeux, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis obligé d'éteindre un petit peu parce que la musique était un peu forte. Donc, vous contrôlez un agent secret dont le but est de trouver des trucs tout en évitant de se faire, comment dirais-je, voilà, buter par des autres agents et vous devez récupérer des trucs. Alors, les trucs en question, ce sont les fameux. Je crois que ça doit être des je sais pas ce que c'est, des dossiers secrets, des plans, bref, un truc comme ça. Et vous devez inspecter tout, et je dis bien tout, les immeubles pour trouver bah tiens par exemple là vous voyez voilà regardez là la porte rouge qui est là c'est là où qui contient un secret voilà une fois récupéré vous tirez voilà comme ça bon il y a une chose qui est un petit peu chiant dans ce jeu c'est que déjà on est taraudé par des espions qui sont en cou En, comment dirais-je? Ah oui, en habit noir. Non, c'est pas les Men in Black. Ça aurait pu être. Zut. Ouais. Mais vous pouvez leur tirer dessus à l'aide d'un simple flingue. Ce qui est assez improbable d'ailleurs. Ah oui, tiens, encore une autre porte rouge. Voilà. On sort. Oh, merde! Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver! Putain, mais quel fils de con! Oh putain, hey, si je le revois, je veux lui péter sa mère. Je veux lui péter, tiens, ça se trouve, c'est vraiment lui là qui m'a buté. Hein. Gros bâtard de merde, va, hein. Bon, attends, attends, parce que là, il y a. Oui, alors vous pouvez vous baisser, sauter. Hein. Mais bon, ça servira pas grand-chose, étant donné que vous pouvez pas sauter vraiment. Ah si, vous pouvez sauter, mais juste un petit peu. Voilà, super. Là, j'ai récupéré un autre. Mais ce. Voilà, toi je te tue. Je sais même pas qui sont ces espions en noir. Parce qu'ils sont tous en habit noir, tandis que vous c'est en couleur marron. Ah, encore un autre secret là. Oui, je vous rappelle les portes rouges, c'est là qui contient les fameux secrets. Par contre, ne me dites pas ce que c'est moi-même, je ne sais rien. Tandis que c'est un dossier secret. Il y a encore un autre. Oui, n'hésitez pas à tirer en vous baissant parce qu'ils peuvent très bien vous tirer dessus, que ce soit en mode. Enfin, il peut se baisser et il peut tirer en se baissant, c'est ce que je voulais dire. Voilà, excusez-moi, j'essaie de temps de me concentrer. Par contre, évitez de ne pas tomber dans le vide parce que sinon vous mourrez. Et ce jeu, il faut vraiment, mais vraiment pas perdre de temps. Parce que là, c'est osé, mais avec le fion, comme on dit. Zut! Mince, je voulais prendre un ascenseur, mais c'était. Putain, il était à deux doigts de me tirer dessus, ce con. Attends, je vais attendre l'ascenseur. Voilà. On continue. Mais ce. Oh putain, juste au moment où je m'apprêtais à atteindre l'arrivée, fait chier. Putain, comme si j'en avais pas eu assez. Putain. Bon, c'est pas grave. Oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Ah merde! D'accord, je suis mort comme un caca en tombant alors que j'aurais pu sauter. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Hein. De toute façon, ma stratégie était quasiment mal faite. Bon, allez, c'est pas grave, on continue.
Mais ce jeu, franchement, il est assez chiant et assez stressant sur les bords parce que déjà, vous avez droit à zéro erreur, zéro faute. Vous devez en aucun cas vous faire tarauder et crever. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, et ce jeu a été programmé par Taito, toujours à l'affût du bon goût. Cela, voilà. Ok, attends, on va descendre, on va prendre l'escalier cette fois. Attends. Est-ce que... Non, je peux pas, zut, mince. Merde, mince. Bon, c'est pas... Mince, je voulais, comment dirais-je... Voilà. Oui, parce que vous voyez, il y a une porte rouge, j'aurais peut-être pas dû... Allez, descends, qu'est-ce que t'attends? Bon, c'est pas grave. Mais non, mais monte pas! Voilà, c'est bon. Allez, on rentre, on récupère le dossier secret. Voilà, c'est parfait. Allez, on ne panique pas, on ne stresse pas. Tout est sous contrôle. On va attendre patiemment l'ascenseur. Il y a beaucoup d'ascenseurs dans cet immeuble. Je sais pas ce que c'est. Soit c'est un hôtel, ou soit c'est un immeuble de luxe. Ou plutôt. Ouais, enfin. Non, plutôt soit un hôtel de luxe, soit un immeuble dernier cri. Hein, parce qu'un immeuble de luxe, ça n'existe pas. Donc, je sais pas si ça existe. Il faudrait que quelqu'un me le dise. Allez, on continue. Non, mais vous pressez pas, les gars. Hein, ça sert à rien. Hein. Bon. Voilà, allez, il y a là une porte rouge. Alors, je vous rappelle que les portes rouges, c'est là qui contiennent les fameux secrets. Alors, attends. Ah, trop tard. Pas grave. Allez, on continue, on ne stresse pas. Ah, trop tard. Eh mais il reste pas longtemps sur place les ascenseurs, c'est dommage. Ah, il m'a tiré en dessous ce FDP, putain. J'ai même pas eu le temps de sauter, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne panique pas. D'accord, mais putain, corps de merde! Pff, chier ça! Non, mais je vous dis, tout est de, c'est ça, mais ce jeu, non seulement il est un peu dur sur les bords, mais il est pas évident, hein. Ah, mais j'aurais peut-être dû prendre celui-là. Parce qu'il y avait un ascenseur qui est juste là, j'aurais peut-être dû le prendre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vous êtes combien en tout, sérieusement? Voilà. Voilà. Allez, voilà. Merci. Au revoir. Allez, on passe par une autre porte rouge qui, je vous rappelle, contiennent. Une fois qu'on rentre dedans, on récupère des trucs. Bon. Bon, et pas. Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps parce que sinon, je pourrais pas m'en sortir, hein. Bon. En plus, ce jeu, mais il est assez vieux. Il me fait penser à ces fameux jeux Amstrad CPC. Hein. Je sais pas pourquoi. Non, parce qu'il ressemble plus à un jeu Amstrad CPC plutôt qu'à un jeu NES. Enfin, ce jeu, d'ailleurs, il est assez connu parce que déjà, je crois qu'il est sorti en deux supports. Un sur. Ah putain de. Oui, il est sorti sur NES ainsi que sur Game Boy. Et là, j'ai encore perdu. Putain, ça fait chier. Bon.
C'est pas grave, on va continuer. Bon, là, cette fois, je me concentre. Il est hors de question que... Ah, parce que là, ça va comme ça, les conneries, hein. Ah oui, vous pouvez aussi pulvériser les lampes. Une fois que vous les pulvérisez, ça... Bah, il fait noir, voilà, comme ça. Voilà, on continue, voilà. Allez, on descend, on prend l'escalier cette fois. Bonjour. Attends, je suis plutôt prendre l'escalier parce que là c'est trop dangereux ce que je fais là. Non, je veux pas prendre l'ascenseur. Venez-moi pas tout de suite. Hein. Je me demande toujours qui sont ces mecs en noir. Est-ce que c'est déjà des agents du gouvernement, des espions ou des... Oula, qui s'est fait écrabouiller comme une merde par l'ascenseur. Non, je voulais juste... Voilà. Ok, merci. Voilà. Oui, heureusement qu'on peut sauter, mais le saut est légèrement, mais... Calimiteux, limite un petit peu mal fait. Allez, allez, on se concentre, on se concentre. On n'abandonne pas. Oh, voilà, je sens que je vais être débordé. Voilà. Oui, attention parce que ce jeu est vraiment dosé à la puputerie parce que très sincèrement les ennemis apparaissent d'un bout à l'autre. Attends, je vais plutôt prendre celui-là parce que celui-là il met pas mal de temps. Et voilà encore un qui s'est fait écrabouiller comme une merde, voilà, bravo. Pourquoi il faut jamais jouer avec les ascenseurs? Mais jamais. Zut. Voilà. Mais regardez-moi ces espions du piège là. Putain, fou chier, putain, je vais pas m'en sortir. Oh, j'étais bien parti, salopard. Jérémy, il m'a quasiment pris en traite, ce salopard. Ok, je peux pas descendre plus en bas, dommage. Cette fois, on va se concentrer. Ouais, et voilà, j'arrive déjà à la fin du premier niveau. Voilà. Et ma putain. C'était pas facile. Mais vraiment pas facile du tout. Bon. Bon, je propose qu'on s'arrête là, parce que bon, c'est pas que j'aime pas, mais bon, ce jeu est un petit peu chiant sur les bords, voilà. Donc les gens, c'était donc Elevator Action sur Nintendo NES, ou Nintendo tout court, ça dépend comment vous l'appelez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exceptionnel.